Les mecs, vous connaissez la cinéfabrique ? La ciné quoi ? La cinéfabrique. En gros, et je cite, la cinéfabrique est une école nationale supérieure de cinéma et de multimédia installée à Lyon depuis 2015. Dans une réelle volonté de mixte social, cette école, gratuite et diplômante, offre à 30 jeunes de 18 à 25 ans une formation en 3 ans avec 5 parcours. L'admission se faisant bien sûr après examen. Ah ouais, vous êtes au taquet, vous Ah bah faut bien, on est carrément en train de faire le travail à ta place, là. Comment ça? Tu ne l'as peut-être pas remarqué, mais on est en pleine création de ton portfolio. Mon portfolio quoi? Ton portfolio, en gros, et je cite... Attends, il est où mon portable, là? Ah ouais, pardon, je te l'ai emprunté, du coup. On m'explique, là? C'est simple, vous perdez tous complètement la boule. Et toi, de ton côté, tout va bien? Ça va tranquille, ouais. Ah bah non, rien ne va, non. J'ai plus de club, j'ai plus de portable, il suffirait juste que je me retrouve à poil. Vous êtes sérieux, là? Je me suis permis, étant donné que tu perdais un petit peu la science. Tu peux me passer la cigarette, s'il te plaît? Merci bien. Si je ne m'abuse, la cinéfabrique recherche plutôt des personnalités et des comportements. Et donc? Et donc, pourquoi vous partez autant en vrille, comme ça? C'est toi qui nous fais partir en vrille, je te signale. Calme-toi, s'il te plaît, merci. Non mais sérieusement, fais un truc. Je me retrouve avec le pull tout moche et le bonnet de l'autre abruti alors que c'est toi qui devrais les avoir. Tout est relatif. Attends, quoi? Comment ça c'est moi qui devrais les avoir? T'as vu toutes les questions cons que tu poses depuis tout à l'heure? C'est sûr que dans un sens... C'est pas des questions cons, c'est des questions sensées. Des questions quoi? Des questions sensées qui ont un sens. Bravo, Sherlock. Ah, et du coup je me retrouve avec cette... chaud sur le corps. Perso, je le vis bien. T'es sûr de toi? Lol. Ou alors, ok. On doit vous avouer que ça ne se passe pas tout le temps comme ça. La plupart du temps, je suis considéré comme le mec macho, vénère, qui se la pète. Perso, je suis l'abruti de première catégorie. La preuve, quelle est la première chose que j'ai fait au début de cette vidéo? T'as regardé tes mains, comme d'habitude. Enchanté, je suis le mec qu'on qualifie de studieux, un peu agressif, faisant son BG, son intello. Et pour ma part, je suis le mixte entre tout ça. Ou plutôt dirais-je, il sent une part de moi-même. Nous aurions bien fait une présentation globale de nous-mêmes, mais je pense que ces quelques minutes vous ont suffi à scanner le personnage. Ah, et ce que vous venez actuellement de voir, le projet 1, mis en place pour le portfolio. Et étant donné que l'on peut présenter au plus deux projets d'une durée de 7 minutes maximum, soit 14 minutes au total, on vous propose de regarder la dernière review en date, publiée sur notre chaîne YouTube. Le tout dans la joie et la bonne humeur.